Alors, l'histoire militaire de la France que nous avons co-dirigée avec Olivier Vévorka saisit cette histoire sur le long terme, en commençant au Mérovingien, ce qui pose effectivement la question de savoir depuis quand la France existe-t-elle? Est-ce que les Mérovingiens, c'est la France? La réponse, évidemment, est non. Maintenant, dans la construction de la France et dans la construction militaire de la France, notamment en tant que nation, eh bien, les Mérovingiens constituent un jalon, ne serait-ce que parce que les rois de France portent par la suite le titre de Rex Francorum, roi des Francs, et donc même si évidemment à l'époque de Clovis, la France n'existe pas en tant que telle, c'est une évidence. Il faut bien sûr remonter aux origines, et donc là, on a un point de départ qui permet de saisir des origines. Et notre idée était de montrer que la nation qui se construit dans et par la guerre est un processus long, complexe, ça n'est pas une identité stable, fixe et définitive, c'est un processus. Et donc ce processus s'enclenche à partir des Mérovingiens, et donc choisir de partir des Mérovingiens ne veut pas dire qu'on imagine que la France existe depuis Clovis, bien sûr, mais bon, il fallait bien choisir un point de départ. Et par ailleurs, nous avons aussi voulu montrer les jalons de cette construction. Alors, les jalons sont multiples. Il y a le moment de la guerre de Cent Ans, où justement le roi de France, Charles VII, hein, fait appel à cette idée d'une nation qui se soulève contre l'occupant anglais. Alors, à la fois en mobilisant ceux qui vont s'engager dans l'armée, mais en mobilisant ceux qui vont payer l'impôt. C'est ça, d'abord, hein, ce qu'on appelle la nation France. C'est à la fois ceux qui se battent pour la défendre et ceux qui payent l'impôt pour payer ceux qui se battent. Donc ça, c'est un jalon important. Un autre jalon est le règne de Louis XIV, puisque Louis XIV, c'est celui qui invente le service militaire obligatoire avec la milice royale en 1688. Et lorsque en 1709, par exemple, les choses vont mal, eh bien, Louis XIV en appelle à une sorte de sursaut, alors je vais employer une expression anachronique, de défense nationale, puisqu'il en appelle au volontariat des Français pour venir défendre, alors justement, plus que le roi, pour venir défendre le royaume. Et là, pour le coup, ça commence à ressembler à l'idée d'une nation, non seulement comme l'ensemble des militaires et des contribuables, mais on voit s'esquisser, y compris dans le discours de Louis XIV, la nation comme corps politique. Alors, évidemment, lorsque les rois de France en appellent à l'engagement des Français pour défendre le royaume, eh bien, c'est eux-mêmes qui construisent cette idée de nation, mais se pose quand même au XVIIIe siècle la question de savoir justement quels sont alors, les devoirs du sujet qui s'engage pour défendre la France, ça, on les mesure bien, le devoir militaire, mais alors, en échange, se pose la question des droits. Et là, se pose effectivement la problématique très forte des droits du soldat, qui devient finalement un prototype du citoyen. Hein, par exemple, il y a en 1780 un livre qui est publié par Joseph Servant, qui s'appelle « Le soldat citoyen ». Donc, ce que nous montrons dans cette histoire militaire de la France, c'est aussi qu'il y a des origines militaires de la Révolution française. Et bien sûr, la Révolution française, c'est la construction de la nation comme corps politique. Et qui le fait, alors d'abord qui le fait politiquement, évidemment, mais aussi qui le fait dans la guerre, avec eh bien, cette émergence de l'armée, je dirais, comme laboratoire de la République. Ensuite, avec la Restauration, se pose à nouveau la question du soldat citoyen avec la recréation d'une forme de conscription en 1818. Mais finalement, quand on compare ce qu'est la conscription en 1818, ça ressemble beaucoup finalement aux modalités du service militaire de l'Ancien Régime, qui repose fondamentalement sur le volontariat. Et puis, eh bien,
l'apogée finalement de la nation comme corps politique qui se rassemble pour assurer la défense, la défense non seulement du territoire, mais la défense aussi justement de la nation dans son essence politique. Et c'est la Première Guerre mondiale, bien évidemment. Sachant que entre-temps, c'est aussi introduite une autre dimension dans la définition militaire de la nation, c'est l'extension de la nation outre-mer avec la conquête d'un empire colonial. Et donc là aussi, finalement, se pose pour les soldats colonisés, se pose la question aussi de la définition de leurs droits à travers le constat de leur soumission à des obligations de service, etc. Et puis, bien évidemment, dans la phase des conflits de décolonisation, etc., finalement, ces problématiques de la nation, de... Alors, est-ce que l'extension de l'idée de nation à l'Empire, est-ce qu'elle change le sens de la nation ? Vous voyez, ce sont des questions qui traversent toute l'histoire de la France sur la très longue durée. Et quand aujourd'hui se pose, on le voit aujourd'hui, se pose encore des questions sur l'identité de la nation, etc., qui prouvent que cette idée n'est pas terminée. On n'en a pas terminé avec l'idée de la nation. Et pour le coup, notre idée, c'était de montrer que la construction militaire... Alors, la construction militaire n'est pas la modalité exclusive de la construction de la nation. Il y a d'autres modalités, et notamment, bien sûr, politiques. Mais le fait militaire est un phénomène important, structurant, dans la construction de cette idée de la nation.